toutes nos félicitations pour votre détermination à cesser de fumer. Ce n'est peut-être pas votre première tentative, mais ce pourra être la dernière grâce à Nicoderm, à votre médecin et aux suggestions qui vous seront faites dans ce vidéo. Dès que vous cesserez de fumer, vous en verrez, mais surtout vous en sentirez les effets bénéfiques. Physiquement, vous aurez plus de résistance à l'effort et plus d'énergie. Psychologiquement, vous jouirez d'une meilleure estime de soi et d'une plus grande confiance en vous. Vous goûterez mieux la nourriture et retrouverez l'odorat sacrifié au tabac. Enfin, vous diminuerez sensiblement le stress cardiaque provoqué par la nicotine. La plupart des gens qui ont cessé de fumer disent que le sevrage du tabac a probablement été l'expérience la plus difficile de leur vie. On les comprend mieux quand on sait que le tabagisme est à la fois une dépendance psychologique, sociale et physique. Si vous avez tenté de cesser de fumer dans le passé, vous reconnaîtrez sans doute certains de ces symptômes du sevrage. Ces symptômes sont notamment une envie de fumer aiguë, l'anxiété, l'impatience, des difficultés à concentrer, un appétit accru, des étourdissements, des maux de tête et de la difficulté à dormir. La patch Nicoderm vous aidera à surmonter ces symptômes de façon à ce que vous portiez tous vos efforts à cesser de fumer. La patch Nicoderm comporte 5 couches. La première couche est une pellicule protectrice qu'on retire avant d'appliquer la patch. On découvre alors une couche adhésive qui permet de coller la patch à la peau. Sa gomme est hypoallergène, de façon à minimiser le risque d'irritation cutanée. Par-dessus la couche adhésive, on trouve une membrane qui règle la vitesse de libération de la nicotine pendant 24 heures. L'écoulement continu de nicotine représente à peu près la moitié de ce qu'un fumeur absorberait. C'est cette nicotine qui permet de contrôler les symptômes de sevrage. La quatrième couche de la patch est un réservoir de médicaments contenant la nicotine. Le tout est recouvert d'une pellicule imperméable de couleur chair. Alors, il faut que la peau soit bien sèche et sans poils. Vous choisissez un endroit sur le dos, la poitrine ou le bras, mais en haut de la ceinture. Remplacez la patch tous les jours à peu près la même heure, mais vous changez d'endroit à chaque fois. Alors, assurez-vous aussi que la peau n'est pas irritée. D'accord? Alors, premièrement, on va la mettre sur votre bras. Voilà. Vous la mettez comme ça. Vous pressez fermement pendant 10 à 20 secondes. Comme ça, vous allez vous assurer qu'elle colle très bien la peau, surtout sur le pourtoir. Si votre peau est huileuse ou si la patch refuse d'adhérer à la peau, nettoyez la peau à l'aide d'alcool à friction avant d'appliquer à nouveau la patch. Vous pourriez également la placer sur un autre endroit du corps. Comme tout autre médicament, Nicoderm exige certaines précautions. Ainsi, il doit être rangé hors de la portée des enfants. Quand vous enlevez une patch usagée, vous la placez dans la pochette contenant la nouvelle patch et vous la jetez au rebut. Vous ne devez pas fumer pendant que vous portez une patch de nicotine Nicoderm. L'eau ne changera pas l'effet de la patch Nicoderm. Ainsi, vous pourrez prendre un bain, nager ou prendre une douche, même si vous portez une patch. Certains effets secondaires peuvent se manifester, tels des troubles de sommeil, des démangeaisons ou des sensations de brûlure ou de picotement sur la peau recouverte de la patch. Si c'est votre cas ou si vous ressentez quelque autre effet secondaire, parlez-en à votre médecin. Le sevrage graduel avec Nicoderm s'effectue sur une période de 10 semaines. Au cours d'une thérapie normale, vous utiliserez une patch de 21 mg chaque jour pendant 6 semaines. Le dosage sera ensuite réduit à 14 mg par jour pendant 2 semaines. Puis finalement, vous n'aurez plus besoin que de 7 mg par jour pendant 2 semaines pour compléter la thérapie. Après les 10 semaines initiales, votre besoin impérieux de fumer se sera estompé. Et il est fort probable que votre dépendance à la nicotine sera alors chose du passé. Votre médecin pourrait toutefois décider de raccourcir ou de prolonger votre thérapie. Votre médecin pourrait aussi décider de vous prescrire un dosage moindre si vous fumez moins d'un demi-paquet de cigarettes par jour, ou si vous pesez moins de 45 kg, ou si vous souffrez d'une maladie cardiaque.
Nicoderm est une thérapie efficace, éprouvée scientifiquement, pour vous aider à briser votre dépendance à la nicotine. Ce n'est toutefois pas un remède miracle. Il n'atteindra l'objectif visé que si vous êtes déterminé à cesser de fumer et avez la motivation profonde de changer votre comportement de fumeur en un comportement de non-fumeur. Rappelez-vous que le tabagisme est un réflexe conditionné et un comportement social. Le fumeur qui veut cesser doit d'abord reconnaître ce qui déclenche son besoin impérieux de fumer. Le café le matin, la fin d'un bon repas, faire la fête avec les amis. Nicoderm fonctionnera d'autant mieux que vous saurez éviter ou composer avec ces situations qui vous incitent à fumer. Cela peut impliquer des changements à votre mode de vie, tels que remplacer le café du matin par du thé, vous retirer de table et aller marcher après un bon repas, ou demander à vos amis de s'abstenir de fumer en votre présence. Votre médecin ou des organismes tels que l'Association pulmonaire, par exemple, peuvent vous fournir de la documentation qui vous aidera à comprendre pourquoi vous fumez et comment cesser. Ces informations seront un soutien utile et répondront aux questions que vous vous poserez tout au cours de votre cheminement vers une vie meilleure. L'apport de ces éléments contribuera au succès de votre thérapie avec Nicoderm. Votre médecin et les organismes appropriés vous aideront à fixer une date de cessation et vous appuieront tout au long de votre thérapie et jusqu'à la guérison. Cesser de fumer comporte des bienfaits incommensurables. Et Nicoderm, utilisé correctement à l'intérieur d'une thérapie, peut vous aider à cesser de fumer pour de bon. L'information contenue dans ce vidéo provient de la compagnie pharmaceutique Merldau Canada Incorporée, distributrice de Nicoderm au Canada. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre pharmacien.